Aujourd'hui, ce soir, je voulais parler de less is more. Donc, en fait, le moins, c'est le plus. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je pense au site Google. Si vous allez sur le site, vous allez voir qu'en fait, il y a seulement un logo. Donc, il y a un logo et puis un logo, une barre de recherche et ensuite un bouton cliquer sur rechercher. Donc, en fait, quand on va sur le site Google, on sait déjà ce qu'on veut faire en fait. Et c'est un peu comme ça en fait. Moins il y a des options et plus c'est facile de faire des choix. C'est pour ça qu'en anglais on dit less is more. Donc si on peut appliquer cela à beaucoup de choses, par exemple quand on va par exemple dans un restaurant, il y a un buffet, il y a beaucoup de choses qu'on peut choisir, on peut prendre et parfois c'est difficile de faire un choix. Donc parfois, il vaut mieux se limiter à quelques choix, peut-être deux, trois options, pour pouvoir faire les bons choix, plutôt qu'avoir, je sais pas moi, une vingtaine de choix. Et après, c'est difficile de vraiment choisir ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est pour cela que j'ai voulu parler de cette phrase « less is more ». Parfois, avoir moins de choix, c'est pouvoir choisir plus rapidement ce qu'on en veut. Sur ce, je voudrais vous dire une bonne soirée et à bientôt.